N'avez-vous donc jamais pensé à pratiquer le yoga dans un musée? Ou encore d'y manger une part de galette tout en enrichissant votre culture personnelle? C'est au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer que ces activités insolites se sont passées pour le plus grand plaisir des Cinquantinois. Les personnes peuvent voyager dans le musée, s'imprégner des lieux, prendre vraiment le temps de découvrir les œuvres d'art et puis dans le calme se poser sur le tapis ensuite pour la séance de yoga. Et puis après la séance, ils peuvent repartir dans le site pour à nouveau peut-être découvrir d'une autre façon, plus posée, le lieu, l'endroit. Faire du yoga à l'intérieur d'un musée, c'est vraiment une sensation de richesse. On se reconnecte en fait à notre histoire, ça donne de la profondeur. Après l'effort, le réconfort. Les Cinquantinois ont eu droit à une visite guidée du musée avec la présence exceptionnelle du portrait de Louis XIV et ils ont également eu la chance de déguster la galette des rois. Cet après-midi, nous allons découvrir un tableau qui est sorti, une des réserves uniquement pour aujourd'hui, qui est un tableau représentant Louis XIV. Nous allons donc voyager à travers le musée et les œuvres représentatives de la royauté. Et ensuite, nous aurons un moment assez convivial autour d'une galette des rois, donc dans la rotonde. Ça marque le lien entre la couronne royale et la tradition des rois, puisqu'on tirait la fève pour que la personnalité devienne le roi du jour. Alors c'est une galette des rois qui, bien évidemment, reste dans la tradition des galettes des rois à la frangipane, mais surtout à l'intérieur, il y a une fève créée exceptionnellement pour cet événement, qui est une fève représentant notre artiste du XVIIIe siècle, Maurice Quentin de la Tour. Donc fève unique que vous ne trouverez qu'aujourd'hui. C'était tout un plaisir pour moi d'avoir eu cette petite fève en dégustant la galette des rois. Une approche inédite et exceptionnelle qui permet au musée de se réinventer et ainsi toucher un tout nouveau public.